WhatsApp, ça que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, bulk day, épaules, on va faire les choses bien, on va se tuer, on va faire 4-5 exercices. Et bien, essaie de se faire mal, mettre dans l'intensité. C'est parti. Ok, premier exercice, élévation latérale. On va se faire une série de chauffes tranquillement. 8 kilos de chaque. Faire les choses bien. On y va, on part sur 30 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, allez, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, très bien, ça fait déjà mal. Encore une fois, j'ai pas trouvé les 6 kilos, j'ai trouvé que des 8 kilos. Donc tu peux être sur ça avec 8 kilos. En échauffement, ça fait mal, mais je fais très attention. Au niveau de la ligne de mes épaules, j'essaie de pas dépasser ça, tu vois. Parce que quand je monte plus, c'est mes trapèzes qui prennent, j'ai des gros trapèzes. Dû aux mauvais exos que j'ai fait pour le dos quand j'ai commencé la muscu. Donc du coup, mes trapèzes sont surdéveloppés. Du coup, pour moi, les engager, je suis obligé de faire ça. Je refais une série de 30, histoire d'être bien, histoire d'être chaud. Et de commencer mon combat tranquillement. Là, j'ai aussi au même endroit que la dernière fois là pour les biceps. Parce qu'il y a du monde maintenant, il y a beaucoup de monde. J'y vais à 14h, du monde, c'est incroyable. Allez, on y va. 30 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, ça fait mal. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Oh. Allô, mon eau. Là, on va commencer directement avec le premier exercice. Là. Premier exercice, on va faire des élévations latérales, mais on va bloquer 1 à 2 secondes. Et on va faire 12 reps. Donc je fais ma série, je bloque, hop, je redescends. Je bloque, hop, je redescends. Ça va faire mal, ça va me tuer. Ça va me tuer. Au niveau du temps de repos, là, je vais repartir dès que je peux, tu vois. Dès que je peux, je repars. Parce que juste après, j'ai les programmes à faire sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs, si tu suis mes programmes sur ma chaîne secondaire, je parle beaucoup, je fais comme mes programmes à l'ancienne. Bon, on fait notre séance ensemble, mais je te raconte des anecdotes sur moi, sur ma vie, sur l'avancée des choses. Et puis voilà. Là, c'est Bulk Day. Je parle vraiment du présent, de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire et de ce qui va venir, tu vois. Chaîne secondaire, ça va être un peu plus intime, clairement. Oh. Et j'ai des vidéos sur la vidéo aussi à faire sur apprendre à se filmer seul. Je vais faire un épisode spécial sur comment je filme mes bulk day, où je te donne tous mes conseils, toutes mes astuces. Comme ça, tu sauras comment je filme mes bulk day. Et si tu achètes une caméra, tu pourras faire tes propres bulk day aussi. Allez, on y va. Première série. 1, 2, 3, 4. 5, comment 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait mal. Super mal. Ça fait super mal. C'est incroyable. Sur 3 séries comme ça. 3 séries. Waouh. C'est incroyable. Là, niveau pro, j'ai pas mal de tournages qui arrivent, pas mal de personnes qui me contactent. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que j'en avais besoin, j'avais besoin de clients, j'ai besoin de contacts, j'ai besoin de faire ça bien. Là, j'en ai qui viennent. On va pouvoir se mettre bien, on va pouvoir investir aussi. Dans la vidéo,
parce que j'ai vraiment envie de passer un gap audiovisuel, faire de grosses vidéos pour mes clients. Et je dois investir en lumière, en accessoires et tout le bordel, tu vois. Donc là, j'investis de fou. Comme là, j'ai pris un petit filtre ND sur la caméra. Parfois, ça se voit dans les rendus, c'est mieux. C'est un peu plus clair, même si je fais pas de post-production pour garder une image la plus neutre possible et gagner du temps aussi au montage. Allez, on y va, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, allez, huit, neuf, dix, onze, 12, ok, très bien. Je suis mort. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, franchement, c'est chaud, hein. C'est chaud. S'entraîner juste les épaules, ça fait mal quand même, hein. On dirait pas, mais ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. J'entraîne jamais parce que c'est un point fort chez moi. Et je devrais même les délaisser les épaules et bosser beaucoup plus les pecs, tu vois, pour avoir des bons pecs et des épaules derrière qui suivent. Parce que le problème, c'est que plus je bosse les épaules, et plus mes exopecs vont être durs à faire à cause de mes épaules. Mais bon, l'été est là. Il faut un bras complet. Et un bras complet, pour moi, c'est épaules, biceps, triceps, avant-bras. Tu vois, donc les épaules vont jouer un rôle pour mes débardeurs en été. Tu vois, ça, c'est important. Allez, c'est parti, je repars. Troisième. Hey. Une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, ok, 12. J'ai mal. J'ai mal. Je vais voir si je prends d'autres haltères, mais non. J'ai une haltère de 14. Après, on va se faire unilatéral, tu vois. On va se faire 10 séries d'un côté, enfin 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre et 10 reps avec les deux. J'ai pris les 14 pour bosser en unilatéral. Je garde les 8, les deux. Je vais faire ça une série en chauffe. Et après, je vais monter. Je vais vraiment prendre plus pour les deux, histoire de vraiment me faire mal. Parce que après cette séance de chauffe, je retire le haut là et c'est parti, on y va. On éclate tout, tu vois. Fais ça bien. Allez. Là, j'ai pas de temps à perdre. Faut que je valide ma séance. Ouais. On y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, neuf, dix. L'autre côté. Ça va me tuer. Quand je vais faire les deux lourds. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Huit, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. Ok. Ça, c'était une séance de chauffe, ça. C'est la première heure de chauffe. Je vais voir si je prends pas les 10, les 10 kilos, les 12 kilos, histoire d'être bien. Après, s'il y a 12 kilos et il n'y a pas les 10, je suis obligé de poser les 14 et de mettre un peu plus lourd. Parce que passer de 12 à 14, tu vois, c'est un peu pareil. Donc, je vais voir ce que je trouve, je reviens. Voilà, j'ai fait un truc, je sais pas si je vais survivre. 14, 10. Direct d'un côté, direct de l'autre. J'ai pris les 10 kilos, direct avec les deux. Et j'ai pris 6 kilos. Je vais faire direct en prise supination. Comme ça. Donc 3 exos en un. Ok. On va faire ça bien. Je prépare tout. Hop.
on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, l'autre côté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. 10 kilos. 10 réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 6 kilos. 10 réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Je vais prendre plus lourd pour les 10. Je vais prendre plus lourd. Parce que là, je me sens bien, je suis dedans. Après, j'ai bien mangé avant de venir. J'ai pas tout pré-workout, rien. J'ai juste bien mangé, tu vois. Et je sens que j'ai de la force. Donc, je vais augmenter les charges. Parce que là, c'est trop facile. Là, je t'explique ce que j'ai fait. J'ai pris 20 kilos pour bosser en unilatéral et j'ai pris 14 kilos pour bosser avec les deux. Et j'ai gardé les 6 pour la supination. Supination, j'essaie de bloquer une petite seconde histoire d'avoir un très bon ressenti pour la fin. Là, l'idée c'est de se détruire, tu vois. Et l'idée c'est, si quelqu'un fait ce programme avec moi ou s'inspire de ce programme, faut que tu te fasses mal, vraiment. C'est de te montrer des choses qui ont vraiment te faire progresser, évoluer et te faire mal. Parce que ça, c'est le plus important, vraiment. Le kilo, il est dur. Il est dur. Il est vraiment dur. Changer la caméra pour avoir un meilleur angle, une meilleure prise de vue, un meilleur rendu. Moins de lumière. Allez, on y va. C'est parti. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Toujours une main au-dessus du banc pour se stabiliser. Je sais pas si l'haltère, il me gêne. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. C'est excellent, mais on va monter les 6. On va monter. Moi, je cherche l'optimisation maximale, tu vois. La congestion commence à venir, on est bien. Tout ça là pour moi c'est encore l'échauffement. Même si que 20 kg, 14 kg c'est excellent. Mais les 8 kg à la fin, ça me frustre un peu parce que ça fait mal, mais pas assez. Donc on va monter pour être bien. Je vais aussi changer de banc parce que la lumière là-bas elle me dérange, tu vois. Comme ça on sera bien, on aura une bonne lumière. Je te rejoins après. Une latérale, 20 kg, les deux, 14. Et supination, 10 kg. Donc là, normalement, théoriquement, je vais vraiment bien sentir mes épaules. Je sentais déjà bien, mais là, normalement, là, ça va être la destruction absolue. On fait 3 séries comme ça. Allez, c'est parti. Toujours une main dessus le banc. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le côté.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans ce kilo. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 kilos, ça suffit. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. 10. Là, tu vois, là, j'ai mal. Là, j'ai mal. Là, c'est bien. Là, je travaille. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un bordel. C'est un bordel. Continue. Fais ça bien. Là, tu vois, là, j'ai super mal. J'ai super mal, c'est incroyable. C'est incroyable. Et quand je dis j'ai mal, c'est que j'ai mal dans le bon sens. J'ai bien travaillé, je sens bien mes épaules. Et c'est un bon circuit. Très, très bon circuit. Unilatéral. Plus les deux en lourd. Plus du supination qui va désengager totalement mes trapèzes. C'est-à-dire que je peux monter, aller chercher beaucoup plus... chercher beaucoup plus d'amplitude dans le mouvement, ça c'est bien, ça franchement c'est bien, ça fait mal et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut vraiment. Seule chose qui fait mal, c'est qu'il faut en faire 3, mais on va les assumer, on va les assumer correctement, on va faire les choses bien parce que c'est important. Ok, juste après cette séance là, je vais faire quelques plans en salle où je vais expliquer les choses, parce que je vais faire une vidéo où je vais expliquer comment je filme un bulk day, tu vois. Et je vais donner quelques conseils. Donc, si tu aimerais faire la vidéo, si la vidéo ça t'intéresse un minimum, ou si tu aimerais te filmer en salle, et ben suis mes vidéos, ma playlist que je suis en train de faire là, sur comment se filmer seul, comment faire ces vidéos. Ok. Deuxième, fais ça bien. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comment? 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 14 kilos. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Supination avec un petit blocage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. C'est mal. C'est vraiment mal. Oh, c'est incroyable. Tu vois, ça fait mal. Mais on va assumer, on va faire les choses. Moi, je te dis la vérité, je te dis quand ça fait mal. Même si j'ai mal, même si il y a la douleur, tout.
On continue, on fait les choses bien, on avance, ok? C'est pas ça qui va nous freiner, c'est pas ça qui va nous arrêter. C'est pas ça qui va nous faire abandonner. J'ai mal, mais je regarde mon physique. Je suis bien, je suis content, je suis fier de moi, tu vois? Et c'est le plus important. Tu vois la congestion, tu vois que t'as des veines, tu vois que... Voilà, tu te sens bien. Et cette douleur te fait ramener à ce résultat-là. Tu vois, ça, c'est important, ça. C'est vraiment important. Donc, on continue, on fait les choses bien et on lâche pas. Ok? C'est que là, je vais me reposer avant de passer à la dernière. Parce que là, franchement, c'est atroce. C'est atroce quand ça fait mal. Dernière. Là, j'ai opté pour un angle beaucoup plus serré. Oh. Et d'habitude, parce qu'on va s'arracher là. On va essayer de faire 12-12-12. Ok? C'est parti. Enfin, j'ai essayé, mais on va faire. Tu me connais. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je mets la main sur ma jambe, ça fait plus classe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Oh. La tête tourne. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah. Ah. Oh. Allez, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ouais. 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 Ça fait mal. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais déposer les haltères et je pense que je vais garder uniquement les 14 kilos pour faire des élévations frontales en lourd unilatéral. L'exercice suivant, et je suis désolé, on parle pas beaucoup dans ces bulk day. Là, je suis trop focus là, c'est incroyable. C'est incroyable. Élévation frontale avec les 14, unilatérale et j'ai gardé les 10. Et je vais faire double élévation frontale avec les 10. 15 reps, on va essayer, on va faire 10, 15 reps. On va voir si c'est pas trop mal, si je tiens, et puis voilà, 3 séries comme ça. Parce que là, je te cache pas, là, ce que j'ai fait avant, là, ça m'a fumé, ça m'a bien fumé. Hop, je me regarde en retour caméra, je suis bien. Et venez voir. Fais ça bien. 1, 2, 3, 4, commande, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Ça tue. Ça tue, ça tue. Ah. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Oh. Oh. Je mens.
Oh, c'est incroyable. C'est incroyable comment ça fait mal. C'est incroyable comment. Les épaules, je les sens bien. Je crois que c'est la puissance. C'est la meilleure séance épaule de l'année que je fais. C'est incroyable. Je sens vraiment bien mes épaules. Trois séries comme ça. On va faire ça bien. L'unilatéral avec les 14 kilos. Ça me fume. Vraiment, ça me fume. Dinguerie. Incroyable. J'ai envie de rester dans le mood, rester dans mon énervement et repartir dès que je sens que je peux repartir direct. Tu vois, pas prendre un temps de repos trop long pour garder cette douleur, garder cette tension qui m'aide à progresser, qui me fait mal, tu vois. Parce que ça, je kiffe, j'aime bien. Donc, on va continuer, on va faire ça bien. On reste focus, concentré. Rien peut me déconcentrer, rien. Vraiment rien. Je suis dans ma séance. Allez, on y va. Deuxième, on fait ça bien. Une. Deux. Ferme pas les yeux. Trois. Allez, ferme pas les yeux. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Passe pas la tête. 8, 9, 10, 2, 2, perds pas de temps, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Là, je viens de me barrer, là. Incroyable, j'ai mal. J'ai envie de me lever, faire un tour. Mais je vais rester. Pareil. Dès que je sens, vraiment. Dès que je sens que ça va mieux. À la seconde, je sens que ça va mieux, je vois pas. Il n'y a pas, ça va mieux. Ok. Je prends un peu de temps. Non. Dès que je sens vraiment la limite où je me dis, vas-y, je peux repartir et je repars direct. Oh. Ça, c'est. C'est les entraînements que j'aime bien, ça. Il y a de la douleur, il y a de la tension, il y a de la rage. Et je suis focus. Et si je me filme, c'est dur de s'entraîner vraiment quand on se filme, mais là, je suis dedans, là. Là, je suis dedans. Je repars. Allez. Hey, fais ça bien, fais ça bien. Une. Deux. Trois. Quatre, allez. Ferme pas les yeux. Cinq. Six. Sept, allez. Lève la tête. Huit. 9, last. 10. Gagne pas du temps. On y va. 1, 2, 3, 4. Allez, lève la tête. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. J'ai envie d'en faire une dernière. J'ai envie d'en faire une dernière. Je vais en faire une dernière. J'ai mal. Tu vois, quand je fais mes sens et je parle, j'ai de ouvrir les yeux, de relever la tête. C'est important, ça, c'est important. J'ai tendance à baisser la tête quand c'est dur. Je ferme les yeux pour rien voir et souffrir. Mais non, non, non. Et là, c'est mon inconscient qui parle, tu vois. C'est mon inconscient qui parle et je parle à voix haute avec mon inconscient. Pour que tu vois à quoi ça ressemble, tu vois. Des séances quand tu te parles, quand tu te motives. Parce que dans le dur comme ça,
personne ne peut te motiver à part toi-même. Vraiment. Au début, certes, tu auras besoin d'un coach, d'un mentor, d'une personne qui te motive. Mais c'est toi qui vas souffrir, tu vois. Il n'y a pas plus motivant et plus encourageant que toi qui crée derrière toi. Tu vois. C'est important. Moi, je ne serai pas tout le temps là. Tu vois, je ne serai pas tout le temps là avec toi, derrière toi. Je ne serai pas tout le temps là. Il y aura forcément un moment où tu seras tout seul. Toi, avec ta barre. Toi, avec tes poids. Toi, avec tes objectifs. Il faut que tu as cette voix qui dit allez, on y va, on fait les choses bien. Je balance ma dernière. Allez, hey. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. 7, ouais, lève la tête. 8, 9, 3, 10. Allez, rien peut t'arrêter, rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, rien peut t'arrêter. Là, tu vois, là, je suis incroyable, je suis plein, je suis bien. Je suis posé mes haltères, faire 5 fois le tour de la salle et je reviens vraiment d'ailleurs. Mets des j'aime, c'est important. Mets des j'aime, mets des commentaires. Et j'investirai peut-être dans. Tu vois, il y a une caméra qui est sortie qui s'appelle le DJI Osmo. C'est une petite caméra où ben, je peux la prendre. Elle est vraiment petite. Je peux marcher avec et tout. Comme ça, je peux faire des bulk day vraiment entiers, tu vois. Quand je me lève et je marche, je prends ma caméra, je parle de toute la salle, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je peux le faire, tu vois. Mais ça, c'est avec l'argent de la chaîne. Mon propre argent avec mes clients et tout. C'est pour mon loyer et tout. Et ça, c'est compliqué. Donc, on va investir dans cette chaîne pour faire des vrais bulk days. Des bulk days complets. Ou alors, peut-être d'ici là, j'aurai déjà ma salle de sport et ça va être réglé. Mais pour les trucs en salle, ça peut être intéressant. Bon, allez, je vais ranger tout ça. J'arrive. Je vais faire du développé militaire à la barre. J'ai pris une petite barre droite. Et j'ai mis deux poids de 10 kg dessus. Je pense que la barre doit faire 10 kg. Donc on a 30 kg. On n'est pas lourd. On va se faire 10 reps tranquillement. Et j'ai gardé les 10 en haltère. Et je vais faire un échec en élévation latérale. Donc ça va faire 10 échecs. Ok. Histoire d'être bien. 3 séries. Et puis on se barre. Ok. Allez. On y va. C'est parti. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Centéral, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, 17, 18, 19, 20, 20, c'est parfait pour moi, c'est parfait pour moi, je vais m'arrêter à 20. Oh, ça fait mal, ça fait vraiment mal. J'essaie d'avoir un mouvement assez complet sur le développé militaire à la barre, histoire de bien tendre les bras au maximum, tu vois. Et le fait d'être sur un banc comme ça, un banc droit et pas un banc chaise là, fait que je me maintiens bien, j'ai un bon gainage, je force mon dos et mes lombaires à devenir droit, avoir un bon contrôle, ce qui fait que le vent est plus dur. Et moi j'aime bien, c'est sympa d'avoir un meilleur contrôle et c'est important. On travaille notre gainage, on travaille notre lombaire, on serre les abdos et on progresse tranquillement. Bientôt repartir.
D'ailleurs, je suis content que ça soit bientôt fini parce que là, quand on commence à voir du monde, tu vois. Et c'est bon. Et quelle heure est 15h41. 15h41, c'est bordel. Bordel. Incroyable. Allez. Fais ça. Bien. Fais ça. Bien. Fais ça. Bien. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Barrette. Et va sur la terrasse. Valide. Une. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien. Wow. Wow. J'ai mal. J'ai mal, mais il en reste une. Il en reste une. C'est incroyable. C'est incroyable. Honnêtement, j'allais dire, je pensais pas qu'une séance épaule pouvait être aussi intense. Mais ça fait juste longtemps que j'ai pas martyriser mes épaules, mais avant c'était ça une fois par semaine avant, au moins tous les groupes musculaires, je balançais, bam bam bam, et j'étais vraiment énervé. Quand j'étais dans mon arc sombre, j'ai vraiment explosé, hein, niveau perf, niveau séance. Et là ça fait longtemps, mais ça me fait du bien. Et faire des bulk day, un seul groupe musculaire, c'est incroyable. Pour moi, c'est pour l'optimisation de mon temps et tout, et la gestion de mes efforts, mais c'est incroyable. J'aime bien. Je kiffe. Vraiment. Dernier. Allez, valide. Fais ça bien. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. 9, 10, ok. Allez, ça va? Ça va? Ça va bien? Tranquille? Allez, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, c'est bon. C'est bon. Je suis éclaté. Je suis éclaté. Ça s'est bien passé. Je suis très content. Je vais me rapprocher. Enfin, je rapproche la caméra pour te dire le mot de la fin. Et je me barre. Bon, c'est tout pour moi. J'ai fait une très bonne séance épaule. Je suis bien. Les sensations sont cool. La congestion, elle est là, je me sens bien. N'hésite pas à refaire cette séance, n'hésite pas à reprendre des exos, reprendre les ateliers que je fais pour les faire de toi-même, et aussi de me dire sous cette vidéo, en priorité, si les sessions sont bonnes, s'il y a plus de questions, beaucoup plus longues. Il y a mon Instagram, Dame Jordan, tu m'envoies un message, je vais le lire, je t'envoie un vocal tranquillement, et puis voilà, on fait ça bien. En tout cas, merci beaucoup, moi je te dis porte-toi bien, et à la prochaine pour un nouveau Bulk Day.